La vente d'objets anciens est un commerce assez lucratif. Ceux qui pratiquent ce métier sont connus sous l'appellation marabaka. Ils vendent généralement des peaux de serpents, d'oiseaux de différents types, mais aussi d'autres objets ayant attrait au traitement traditionnel des maladies. Et ce soir, nous allons parler du diabète chez l'enfant. C'est une maladie chronique permanente qui est de plus en plus fréquente chez les enfants âgés de 0 à 14 ans. Comment l'identifier et le surveiller, des éléments de réponse dans cette édition. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ces retards. Nous commençons cette édition par des personnes qui vendent des objets anciens, objets constitués entre autres de peaux de serpents, d'oiseaux de différents types, mais aussi d'autres objets ayant attrait au traitement traditionnel des maladies. Ces vendeurs sont plus connus sous le nom Marabaka. En Bamanankan, Astanso et Mamadou Koulibaly sont allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux, suivant leur reportage. Loin d'être perturbés par le brouhaha habituel du marché, ils sont plutôt sereins car étant des habitués des lieux. Ils, ce sont les vendeurs de solutions pour certains ou encore des guérisseurs pour d'autres. Dans le dialecte bamana, ils sont connus sous le pseudonyme Marabaka qui veut littéralement dire les gardiens du savoir ou d'objets précieux. L'activité que nous exerçons n'est pas un simple travail. Il s'agit d'un art. Nous travaillons étroitement avec les marabouts et les féticheurs. Si ces derniers sont considérés comme des médecins, nous nous sommes perçus comme des pharmaciens. Nous sommes également sollicités par des malades. Il faut savoir que nous détenons des savoirs qui peuvent aider à résoudre des problèmes. Le problème de vie, à vous le résoudre. Marabaka est un tableau, on a un fin de. Cette activité est destinée à résoudre les difficultés qui peuvent survenir au cours de notre existence. Nous pouvons fournir à ceux qui sont dans les besoins des solutions pouvant apaiser leur foyer, créer la bonne entente et même aider les hommes qui souffrent. Exerçant ce métier depuis plusieurs décennies, ces vendeurs ont su se faire une place non sans difficulté. Un chemin parsemé d'embûches, mais qui n'a altéré en rien leur volonté d'exercer avec passion. Exercer ce métier n'est pas de tout repos. Il y a des malfaiteurs qui se font passer pour des connaisseurs. Nous donnons ainsi une mauvaise réputation. Sans cela, il faut dire que Dieu fait grâce et nous savons nous préparer comme il le faut pour venir au marché. Notre métier est basé sur nos connaissances anciennes. Nous pensons qu'il n'est pas en opposition avec la religion, dans la mesure où nous cherchons que le bien-être et la santé. Connu comme étant d'une utilité certaine selon des appréciations, ces vendeurs d'objets n'entendent pas faire l'unanimité quant à leur raison d'être. Autre titre de cette édition, le diabète juvénile ou diabète de l'enfant est une maladie chronique permanente. Ce type de diabète se caractérise par un manque ou une absence totale de production d'insuline. C'est une maladie qui est de plus en plus fréquente chez les enfants âgés de 0 à 14 ans. Le diabète n'empêche pas les enfants de mener une vie normale. Toutefois, il faut quelques adaptations. Kounandi Bamani nous en dit plus. Le diabète est une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation anormale de la glycémie dans les sangs. Le diabète juvénile ou diabète de type 1 est une maladie liée à des facteurs favorisants. Le diabète chez l'enfant en général, c'est multifactoriel. Il y a l'origine génétique et puis l'environnemental. Donc, le fait qu'il y a l'agression auto-immune, suite à un processus infectieux viral ou peut-être aux protéines de lait de vache, donc il peut avoir une destruction. Les cellules bêta-pancréatiques qu'on appelle l'insuline. Par la suite, ça va donner le diabète. Chez les personnes dont il y a une prédisposition génétique au HLA-DL3 et DL4 en général. En plus des signes classiques du diabète de type 2, celui de l'adulte, le diabète de l'enfant peut se manifester autrement en absence de diagnostic précoce. Chez les petits enfants, on peut avoir les pupilles au lit, qu'on appelle ça énérésie. Mais si le diagnostic n'est pas fait à temps,
il peut avoir des signes qui vont apparaître, notamment les troubles digestifs. L'enfant va commencer à vomir, à avoir des nausées, des douleurs abdominales, souvent qui vont nous orienter vers un problème chirurgical alors que c'est lié au diabète. Selon les spécialistes, il est impossible de prévenir ce type de diabète. Cependant, il existe un traitement adapté à cette maladie. Généralement, le diabète de type 2 qui est fréquent chez l'enfant, le traitement ça se fait avec l'insuline. Parce que l'organisme, le pancréas, ne sécrète pas d'insuline. Donc, il faut la remplacer. C'est pourquoi c'est un traitement à vie. À noter que le diabète de l'enfant peut s'avérer très dangereux, voire mortel, s'il n'est pas diagnostiqué à temps. Le groupe Doni Labara a procédé ce samedi à Kati au lancement de la première édition de Jeunes à vos talents. Cette compétition qui regroupe plusieurs lycées a pour but d'encourager l'excellence dans le milieu scolaire. On en sait plus avec Awa Kamisoko. Ils sont 18 lycées de Kati à prendre part à cette compétition du groupe Doni Labara, appelée Jeunes scolaires à vos talents. Chaque lycée est représenté par 5 élèves. La compétition elle est basée sur les sciences physiques, la mathématique et la littérature. Donc c'est une compétition qui sera composée d'un groupe mixte par école. Et les groupes mixtes vont composer ensemble. Aussi, l'objectif est de mettre les élèves ensemble afin qu'ils puissent tirer un intérêt commun dans le travail de groupe. L'Académie d'enseignement de Kati salue l'initiative de cette activité. L'initiative vient à point nommé, parce qu'en réalité l'Académie est un service régional qui a besoin de différents partenaires pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc nous pensons que cette initiative s'inscrit dans ce cadre. Tout ce que nous pouvons dire aux organisateurs est de rester fidèles aux objectifs qui se sont fixés, surtout de respecter scrupuleusement la politique éducative au niveau national et de consulter l'académie à chaque fois que besoin sera pour l'appui technique. Quant à la marraine, elle s'est dit comblée par ses premiers coups d'essai. Encourager les jeunes à se former, à rechercher l'excellence, c'est une façon de les aider dans l'avenir au niveau social. Et si on arrive à aider chaque citoyen individuellement, c'est comme si on a aidé toute la société. Et aider la société, c'est aider aussi tout le pays. Donc c'est ainsi qu'on va s'en sortir. Donc je voudrais que les prochaines initiatives touchent aussi les petites classes qui puissent aller au secondaire avec de bonnes bases, notamment dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. À noter que l'activité va durer un mois. La première semaine sera consacrée à l'élimination directe. Suivront ensuite les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Journée de célébrité de l'association Alliance de Dravella. Elle a concerné la mosquée de Dravella, les alentours de la maison centrale d'arrêt et le centre secondaire d'état civil de Dravella. Une initiative qui a permis de donner un visage reluisant à ces différents lieux. Marie Boubacar Meiga. Voilà à quoi ressemblait la devanture de la mosquée de Dravella à notre arrivée sur les lieux. Admirer ce à quoi elle ressemble après le passage d'un membre de l'association Alliance de Dravella, muni de balais et de râteaux. Un passage dans une ambiance bon enfant qui a permis de donner un visage reluisant à cet endroit. Nous avons jugé nécessaire, en tout cas, d'associer à nos activités l'assainissement, la salubrité générale du quartier. Donc nous nous sommes dit qu'étant femme, notre rôle aussi est d'assainir le quartier. Et ce jour a été fixé par les femmes pour qu'on puisse être ensemble. On a fait sortir toutes les femmes du quartier. Les hommes nous ont accompagnés, les jeunes nous ont accompagnés pour qu'on puisse assainir tous les alentours du quartier de Dravella. Je suis contente du bon déroulement de cette activité. Les femmes sont sorties nombreuses et nous avons bénéficié du soutien des hommes. Après la mosquée, direction la maison centrale d'arrêt et le centre secondaire d'état civil de Dravella pour le même exercice. Une activité saluée à sa juste valeur par les habitants du dit quartier. Tellement que je suis heureuse, je n'ai pas de mots. Je suis très très heureuse pour cette action. Donc j'espère dans l'avenir encore toutes les autres femmes du monde entier pourront le faire, surtout au Mali. Donc que les autres femmes nous imitent à le faire.
Cette initiative de l'association Alliance de Dravela entre dans le cadre de l'exécution d'une série d'activités entreprises pour le développement de Dravela. Une journée de salubrité, deuxième du genre, que l'association entend inscrire dans la durée. Et la propriété occupe une place de choix dans la société, comme vous venez de le voir. Au-delà de cela, elle est recommandée par la religion. C'est dans cette logique que certains jeunes procèdent au nettoyage des lieux de culte. Par exemple, à Amdalaï, les jeunes effectuent régulièrement cette activité dans les mosquées. Bakary Kabadjakite est allé à leur rencontre. Donner un visage reluisant à la maison de Dieu, tel est l'objectif de ces volontaires. Engagés depuis des années, ces jeunes se retrouvent chaque jeudi dans la mosquée Kalafou en vue de procéder à son nettoyage. L'activité, je l'ai commencé il y a plus de 30 ans. Je mène cette activité-là depuis la première année et je l'ai fait de façon altruiste, de façon volontaire. Et dire que bon, de façon... Aujourd'hui, les gens ne voient que de l'argent. Moi, je ne vois pas ce côté-là. La place qui m'est réservée dans l'au-delà, là, la crainte, là, c'est ce que moi je vois. Tant que j'ai ça en tête-là, même plus grande que celle-là, là, ça ne me dit rien. Les difficultés sont inhérentes à toute œuvre humaine. Mais qu'à cela ne tienne, la foi véritable reste un tremplin pour continuer cet acte de bienfaisance. Quand on rencontre des difficultés, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité, souvent il y a des hauts et des bas, on est obligé d'y faire face. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'y soir à ça. On avait un aspirateur, sinon deux aspirateurs, maintenant qui sont coulés, peut-être il n'y a pas deux semaines de cela, on s'est débrouillé avec les balais. Cet acte fait par ces jeunes a une grande récompense auprès de Dieu. Allah dit dans le Saint-Coran encore, quiconque fait un bien, fils du poil de Natoum le verra. Les jeunes gens qui pratiquent ce travail-là volontairement, je les encourage, je les exhorte à persévérer davantage, car tout salaire qu'Allah donne n'est pas perdu. La propriété reste un acte de foi en islam. Cette action faite avec foi et dévotion sera rétribuée par Dieu. Ces hommes n'entendent pas abandonner cet acte qui profite aux fidèles de la mosquée. Une autre partie de l'enceinte de la mosquée est nettoyée par les femmes volontaires. Place au sport à présent et pour cela j'accueille dans ce studio Sragatou Cissé. Sragatou, bonsoir. Bonsoir Esther Traoré. Alors, football CAN Côte d'Ivoire 2023, l'Angola est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Oui, les Palancas Negras d'Angola donc, ont été sans pitié des Brave Warriors de la Namibie, 3-0. Pourtant, le match avait mal débuté pour l'Angola suite à l'expulsion du gardien à la 17e minute pour une faute de main hors de la surface de réparation. Le temps de s'organiser, l'Angola plante 2 buts à la mi-temps et en rajoute un troisième à la 66e minute. L'Angola se qualifie avec brio pour les quarts de finale comme en 2010. Son adversaire sera connu à l'issue du choc Nigeria-Cameroun prévu à 20h en direct sur ORTM 1. Et les huitièmes de finale se poursuivent demain dimanche avec 2 matchs. Oui, à 17h, Guinée équatoriale, Guinée sur ORTM 1 en direct. Alors, cette explication est la première entre ces deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations. À 20h, Égypte, RD Congo. Le dernier face-à-face entre les pharaons d'Égypte et les léopards de la RD Congo remonte à la CAN 2019 en match de groupe. Victoire écrasante de l'Égypte, 4-1. Demain dimanche, l'Égypte sera privée de sa star, Mohamed Salah, et du gardien Mohamed El Shenawy, donc pour cause de blessure. Merci beaucoup Sragatou Cissé pour toutes ces nouvelles. Et merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ce qui met fin à cette édition. Très bonne suite de nos programmes.